Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous de 19h. Un seul titre au sommaire de ce journal. Convocation de l'électorat pour la présidentielle de décembre prochain aujourd'hui. La dernière ligne droite vers les élections est donc engagée. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a rassuré quant à la transparence des opérations électorales à venir. On y reviendra. Ravi de vous retrouver pour l'actualité ce soir. Élections en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a convoqué donc ce vendredi 1er septembre 2023 l'électorat pour la présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Le bureau pour la réception et traitement des candidatures sera ouvert du 9 septembre au 8 octobre prochain. Avec cette convocation d'électorat, la dernière ligne droite vers les élections est donc engagée. La CENI ayant franchi toutes les étapes de son calendrier, une information développée dans ce reportage signé Jereste Fundi Otumbi. Le dernier verrou pour l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo est tombé ce vendredi 1er septembre 2023 avec la convocation par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, de l'électorat pour l'élection du président de la République devant l'ensemble du bureau et de la plénière, le Gotha, et la presse à la salle Abbé Apollinaire Manumalu. Une promesse tenue par le bureau de la centrale électorale qui respecte à la lettre toutes les étapes, place à la présidentielle couplée aux trois autres scrutins juste nommés prévus le 20 décembre 2023. Cette année marque Paris Cochet l'ouverture du 9 septembre au 8 octobre, soit 30 jours, du bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la CENI sur le boulevard du 30 juin. Le numéro 1, la centrale électorale, rappelant le parcours entrepris par l'institution qui dirige, a mis en avant des faits saillants de son évolution. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive. La vision de la CENI est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour l'élection du président de la République. À tous ceux qui prédisent le malheur en faisant un procès d'intention à la CENI, après les consultations électorales, Denis Kadima Kazadi a voulu conjurer le sort. À ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en deux mots, sans effet. Auparavant, le rapporteur de la CENI, Patricien Tseyamoulela, a lu la décision portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et traitement des candidatures pour l'élection. La réalisation des infrastructures numériques RDC, c'est l'une des priorités de l'Union européenne. L'engagement a été pris par une délégation de l'Union européenne lors d'une rencontre avec le ministre des Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. On parle avec Nuno Mantikou. Les secteurs des télécommunications congolaises intéressent l'Union européenne. Une délégation des sept institutions internationales conduite par sa chargée d'affaires Mathilde Sédium l'a confirmé au cours de l'entrevue avec les ministres des PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba. C'était une occasion pour les experts des PTNTIC et ceux de l'Union européenne de discuter sur des projets des infrastructures numériques qui sont déjà en préparation et en évaluation. Nos discussions ont porté sur des projets des infrastructures numériques, des investissements qui pourraient vraiment accompagner le plan national de la RDC dans ce domaine-là et aussi servir à la fois pour le développement économique durable, mais aussi lier l'accès aux infrastructures numériques, aux secteurs sociaux. La réunion a été très encourageante, le ministre est très engagé pour ces questions-là, il était très favorable à continuer l'échange sur ce projet-là. Les patrons des PTNTIC a pour sa part promis son soutien et son engagement de poursuivre les discussions pouvant aboutir à la réalisation de ces projets, composés notamment des membres de la Banque européenne d'investissement et des BCS Group. Cette délégation est répartie satisfaite des réponses obtenues du ministre Kibasa Maliba.
vers une coopération entre Kinshasa et Tokyo dans le secteur de l'électricité. Le Japon envisage en tout cas de conclure un accord en vue de réaliser un grand projet énergétique en RDC pour appuyer la vision du président de la République dans ce secteur. Minami Hiro, ambassadeur du Japon en RDC, l'a dit au ministre des Ressources hydrauliques, Marie Kalong. Il a franchi le cabinet du ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Minami Hiro, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en RDC, accompagné du représentant résident de l'Agence internationale de la coopération japonaise, JICA, a évoqué plusieurs sujets et questions avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mundzemukaleng. Le Japon reste un partenaire efficace et fiable pour la RDC dans le domaine de l'électricité. De temps en temps, le Japon a besoin de discuter franchement avec le ministre pour ce qui est des projets qui tombent dans le portefeuille du ministre hydraulique de temps en temps pour constater notre confiance. Je pense que vous avez à la suite de notre discussion. J'ai réussi à rétablir un petit peu de confiance entre nous et naturellement on va continuer dans le domaine hydraulique aussi à notre coopération dans le futur. Les deux personnalités n'ont pas manqué de saluer les efforts menés par la JICA dans le cadre de la consolidation de relations entre l'Empire du Soleil Levant et la République démocratique du Congo. A signalé qu'après quelques jours d'absence au pays, l'ambassadeur Minami Hiro est de retour à Kinshasa pour continuer à assumer ses missions diplomatiques dans l'optique de consolider les relations entre les deux nations. Antoinette Nsamba, ministre des Mines, a une série d'activités dans son cabinet de travail. Elle a échangé tour à tour avec le président du conseil d'administration du cadastre minier, une délégation géologique nationale du Congo et le directeur général adjoint de la SICODEXA, Jean-Richard Kouali. Des rencontres riches dans le secteur minier de la RDC avec une semaine houleuse de la ministre des Mines. En tête de liste figure la première audience accordée au comité de gestion du cadastre minier, conduit par son président du conseil d'administration, qui a présenté ses civilités à Antoinette Samba Kalambay. Une occasion pour la patronne des mines de lui donner quelques orientations d'ordre opérationnel. Il y a rentré les civilités au ministre des tutelles et à l'occasion, il nous a donné des directives de travail et nous sommes venus recevoir des directives opérationnelles de travail. Même exercice pour la délégation Service géologique national du Congo qui avait à sa tête sa présidente du conseil d'administration. Effectivement, nous l'avons remis en présent pour le lot de fardeau qu'elle est en train de porter pour le secteur minier et de le rassurer de notre accompagnement par rapport à notre service. D'une activité à l'autre, cette fois, c'est avec le directeur général adjoint de la Sino-Congolaise d'exploitation et sa suite. Nous sollicitons justement l'appui, comme je viens de le dire, l'appui de la ministre des Mines et envie d'encourager la production locale et de ça découlera l'embauche de la population des jeunes. Basé à Likasi, SICODEX compte dans son actif 3 usines dont 2 déjà opérationnelles. L'une sera ouverte dans un avenir proche. Direction la province du Haut-Katanga, les installations de l'entreprise Urashi Mining ont reçu des visiteurs indésirables. La délégation syndicale de cette entreprise s'en est plainte. Une psychose généralisée au sein de la masse laborieuse. Venons fustiger les comportements ci-après. La violation de l'enceinte de Urashi Mining SAS, cassant les barrières, l'intimidation et beaucoup de terreur à l'endroit des travailleurs. Les deux comportements ci-cités ont entraîné comme conséquence ci-après la débandade totale des travailleurs, le dysfonctionnement de l'usine, de sa production et de son système sécuritaire, la perturbation de la paix sociale au sein de la masse ouvrière, la saisie des biens privés empêchant aux personnes physiques ou morales de jouir de leurs droits de propriété. Nous venons d'apprendre que cette saisie est inhérente à l'exécution d'un jugement. Mais, à notre connaissance,
Ces jugements ne condamnent pas l'entreprise Roche Mining SAS. Tous agissant sous MU-19-17, tribunal de commerce Kinshasa. De ce qui précède, nous interpellons la présidente de chambre des huissiers indépendants qui ont posé des actions inexpertes. Une séance de travail a réuni les membres de la délégation du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification autour de la gouverneure du Lualaba. Les échanges ont porté sur l'organisation des journées portes ouvertes qui se tiendront dans les installations du laboratoire d'analyse chimique de Moussompo. Les explications de notre envoyé spécial, Nadine Futuka. Laboratoire d'analyse chimique de traitement de minerais de Moussompo inauguré le 27 juin 2023 dans la ville minière de Kolwezi, bientôt opérationnelle. La question était au centre d'une séance de travail marathon de plus de 2 heures du temps, ce mardi 29 août 2023, entre la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini et la délégation du centre d'expertise, d'évaluation et des certifications de substances minérales, précieuses et semi-précieuses, conduite par le directeur général Freddy Mwamba-Kaoniku, accompagné du président du conseil d'administration de cette structure technique de mine, Dav Kalimba-Kanchama. Cet échange avait pour objet d'informer l'autorité du Lualaba du lancement des journées portes ouvertes. Ces journées vont matérialiser la vision du chef de l'État et aussi permettre aux miniers et à toutes les personnes que nous avons invitées à venir voir les bijoux, au fait, le matériel ultra moderne que le CEC a mis à la disposition de la République. Cet instant d'échange entre les deux parties a porté aussi sur l'accompagnement de la province au CEC dans la mise en œuvre de l'arrêté 373. Et ce, au-delà du forum technique attendu dans les tout prochains jours. La province de Lualaba et le CEC, nous sommes dans un partenariat et nous avions des discussions aussi sur le forum technique que nous comptons mettre ensemble en place pour permettre le B2B, permettre les échanges entre le minier qui sont à l'interne et à l'externe avec Lualaba qui, vous le savez, est notre capitale de cobalt. La délégation du CEC a été satisfaite de l'échange avec une autorité attentionnée et prête à accompagner le CEC dans ses efforts dans la création d'emplois et des ressources de revenus dans le cadre de la vision du chef de l'État. Pendant ce temps, dans la province de l'Ituri, 3 véhicules ont été arrêtés par les miliciens de la Codeco et Mapi dans leur bastion, ont été remis hier à leur propriétaire à Bambou. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix signé par les groupes armés le 1er juin dernier à Arou. La œuvre de la feuille de route issue du dialogue entre les groupes armés tenus à Arou le 1er juin 2023 produit des effets palpables sur terrain. En effet, 3 véhicules pris en otage par les miliciens de la Codeco et Mapi depuis plusieurs mois ont été remis le jeudi 31 août 2023 à leur propriétaire. C'était à l'occasion de la cérémonie officielle présidée par le commandant de la 32e région militaire à Bambou. Occasion pour les représentants des groupes armés Codeco, IRDPC et Mapi de réitérer leur engagement d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Aujourd'hui, avec cette remise, nous souhaitons que cela ne va encore plus se répéter. L'IRDPC réitère encore son engagement. C'est de cette façon que les gens doivent vivre ensemble, sans hypocrisie. Nous devons bannir l'hypocrisie et cultiver l'unité et l'amour pour le développement de Djougou. Ce geste constitue une phase décisive pour le retour de la paix en territoire de Djougou. On reconnaît les communautés Ema, Lendou et Bira, tant recherchées depuis l'avènement de l'état de siège. La paix règne à Bambou et à Kobou. Celui qui viendra avec l'idée contraire, sa place n'est plus ici. Au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Peter Chirimwami, commandant de la 32e région militaire, a prôné la paix, la réconciliation et la cohabitation pacifique au sein de toutes les communautés de l'Ituri. Les autorités provinciales que nous sommes, nous venons accompagner les Ituriens à faire la paix. Ce n'est pas nous qui venons faire la paix. Parce que même si nous déployons 1 millier de militaires,
Si les Ituriens ne veulent pas la paix, il n'y aura pas la paix. Et donc, nous devons nous engager à faire la paix. Et de cette paix, que viendra le développement. L'approche non militaire imprimée par le commandant des opérations à cette période exceptionnelle, le lieutenant général Luboyan Kachomadjoni, permet de stabiliser certaines zones hostiles à la violence armée. Une raison de plus de l'instauration de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont déposé aujourd'hui le mémo portant annulation du contrat de cession de la forêt signé entre la ministre d'État en charge de l'environnement et la société Wildlife pour l'exploitation que les ressortissants de la province du Nord Ubangi trouvent illégale. Mémo réceptionné par le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement. Les détails avec Fabrice Wanzenge Djokoli. Fort du mandat lui conféré par les chefs de terre de la province du Nord Ubangi, entendez les chefs coutumiers Ngbandi, Ngbaka, Mono, Mbanza, Ngombe, Dalé et tant d'autres ethnies de la province du Nord Ubangi, la présidente de l'association culturelle Mbia, Alidele Kibangu, a pris en main la question de la gestion de la forêt du Nord Ubangi. Le mémo déposé ce vendredi à la présidence de la République concerne l'annulation du contrat des concessions forestières dans la province du Nord Ubangi, signé le 4 mars 2023 entre la ministre d'État en charge de l'environnement et la société Wildlife Works Carbon Congo SRL. De l'examen de ces contrats sur demande des communautés locales, il est relevé plusieurs irrégularités, à savoir la violation de l'article 203.18 de la Constitution, la violation de l'article 36 de la loi du 29 août 2002 portant code forestier, la violation de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. La présidente de l'association culturelle Mbia, Alidele Kibangu, donne ici l'économie de ces mémos. Les ressortissants du Nord Ubangi au travers de cette association sont venus déposer un mémorandum à l'adresse du président de la République de contestation de l'attribution illégale du contrat signé entre la République démocratique du Congo et des tierces personnes. Les enfants du Nord Ubangi ont bien voulu demander, solliciter l'implication personnelle du chef de l'État pour que ce contrat soit purement et simplement annulé. D'autres griefs, notamment la non-implication des communautés locales, le déficit de communication sur les enjeux du projet et aussi l'absence du cahier des charges des communautés de base ont été relevés. Les membres des communautés locales de la province du Nord Ubangi ont également déploré la presque extorsion des signatures des chefs coutumiers telles que relevées dans le procès verbal de leur réunion du 19 août 2023. David Dombou-Jimaï plongé dans le noir depuis quelques mois, la gouverneure de province AI a effectué une descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation de plus de 16 poteaux du réseau électrique coupés par des inciviques. Dombou-Jimaï est en grande partie plongé dans le noir il y a plus d'une semaine. Pour cause, un des pylônes qui transporte le courant de la centrale hydroélectrique de Tchala est tombé au niveau du village Kasengelou, à plus ou moins 15 km de la ville de Mbujimaï, après un sabotage de ses cornières par des délinquants. Informé par les responsables de la société énergie du Kasaï NRK, la gouverneure de province, Aï du Kasaï Oriental, Jili Kalenga Kabongo, s'est rendue sur place pour évaluer le dégât et envisager des solutions rapides et durables. Elle a bravé, accompagnée de quelques membres du Conseil provincial de sécurité, la chaleur et la brousse à pied sur un trajet de 3 km de la route principale au lieu du sinistre, guidé par le directeur général de l'NRK, Victor Kabongo. Sur place, Jili Kalenga Kabongo a eu toutes les explications sur ce qu'il y a eu et sur les travaux en exécution. La ligne haute tension de Tchala jusqu'à Mbujimaï s'est écroulée avec beaucoup de déformations et cela est dû aux actes posés par nos frères inciviques qui scient les cornières sur la base de tous les poteaux, de beaucoup de poteaux, environ 41 poteaux sur les 96 installés. L'autorité qui savait qu'il faut de gros moyens pour faire avancer les travaux ne s'était pas rendue les mains vides. Un soutien, il y a son excellence, madame la gouverneure, qui vient aussi compatir avec nous et nous a laissé quelque chose, vous avez dit. La situation actuelle de la centrale hydroélectrique de Tchala a beaucoup plus intéressé la gouverneure de province Aï, Jili Kalenga Kabongo, et les responsables numéro 1 d'NRK,
confirme qu'il y a seulement deux machines qui tournent. Deux machines qui tournent, ce qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de la population. Alors sur fonds propres, nous avons tenu à remettre une troisième machine en service, mais il nous manque quelque chose de 20 000 dollars. L'implication des jeunes de la sous-traitance RDC, c'est le thème de cet atelier de réflexion organisé par la coordination des étudiants en collaboration avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. L'objectif est de permettre aux étudiants d'avoir un projet en tant que jeunes entrepreneurs à la fin de leurs études universitaires. Paulette Lomba, Siendi Emaka, en signe ce reportage. Les étudiants de l'université de Kinshasa ont été suffisamment outillés pour se lancer avec succès dans la sous-traitance en RDC. C'était au cours d'un atelier de réflexion organisé ce vendredi 1er septembre 2023 par la coordination estudiantine de cet alma mater en collaboration avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARESP en sigle. Placé sous le thème « L'implication de jeunes dans la sous-traitance en RDC ». Cet atelier a connu la participation de deux éminents orateurs, à savoir le vice-doyen de la faculté de droit et chargé de l'enseignement, Barthélémy Oléonga, et Nicolas Kabasele-Kabasele, professeur ordinaire. Le premier orateur a planché sur l'analyse du cadre légal de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, et le deuxième orateur a attiré l'attention de l'assistance sur la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance. Cette rencontre a permis aux étudiants, une fois sortis de l'université, d'avoir de projets en tant que jeunes entrepreneurs. Il est important que l'université puisse être une arrière-boutique au pays pour pouvoir promouvoir le développement dans notre pays. Et de ces faits, je pense que cet atelier était une occasion pour nous de comprendre que la mission ou encore la vision du chef de l'État de créer une classe moyenne des millionnaires, des millionnaires jeunes en République démocratique du Congo. À l'issue de cet atelier, Mme Sharon Rose Kapinga, coordonnatrice des étudiants de l'UNIKIN, a salué la contribution très riche des deux éminents orateurs. Autre fait de l'actualité s'est tenu à Kinshasa. Les travaux sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes Congolais, organisés par The Old World, une structure qui s'occupe des personnes vulnérables. Il était question lors de cette cérémonie de partage d'expérience des entrepreneurs de prôner la consommation des produits locaux. Jean Charcoali pour le résumé. La députée nationale Christelle Vuanga encourage et promet l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. Il faut savoir que c'est un chemin qui est très difficile et dans un pays comme le nôtre, c'est doublement difficile. Et donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Lorsqu'il y a des échecs, il faut se relever, il faut persister. S'il faut même changer de business ou changer de vision, il faut le faire. Une occasion pour The One Prod, structure qui assiste des personnes vulnérables, de célébrer les 5 ans de son existence. Sa coordonnatrice, Whitney Kanda, a profité de cette occasion pour lancer un message au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Nous avons besoin d'aide pour pouvoir concrétiser parce que si aujourd'hui nous avons The One Prod Pharma, c'est encore une façon de pouvoir diminuer encore le taux, peut-être à 2 jeunes, à 3 jeunes. Et derrière ces 3 jeunes, il y a toute une multitude de personnes qui dépendent. Nous pouvons être des créatrices d'emplois. Nourrir des jeunes, nourrir des tas de messieurs et faire prospérer la République démocratique du Congo. Oui, c'est possible avec les femmes. The One Prod a plusieurs projets en perspective, notamment la construction des écoles. Fin donc de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. Parmi les besoins réels chez la femme qu'il faudra outiller.
De mars 2018 à août 2023, voilà 5 ans et 6 mois que les femmes enceintes accouchent gratuitement à tous les 6 centres de l'ONG Salama éparpillés à travers toute la ville de Lubumbashi. Un engagement et une motivation de l'honorable Jean de Dieu Moulenda Ebondo qui se résume en une phrase « Servir et non se servir ». L'homme du social en action se réjouit ainsi à ce jour que la maternité reste non seulement gratuite à tous les centres de l'ONG Salama, mais bien plus la prise en charge des femmes enceintes et leurs nourrissons est gratuite, l'eau est distribuée aussi gratuitement. La maternité et la prise en charge des femmes enceintes restent donc une réalité dans tous les 6 centres de l'ONG Salama, bientôt la 6e année de cette action. Quand on est petit, les journées sont drôlement chargées. Entre le boulot, les bouchons,